Bonjour à tous, ici Falcon Sky en compagnie de Skystriker. Salut à tous. Donc aujourd'hui nous allons vous faire donc une review donc Mega Bloc Call of Duty. Donc Loadin. Donc un set sorti sur Cdiscount, hein, en magasin on l'a pas encore eu. Enfin chez nous du moins. Donc voilà, bon, on passe tout de suite à l'ouverture de la boîte. Non mais voilà, bon, on se retrouve pour l'ouverture de la boîte. Donc bon, on peut voir la station orbitale donc Loadin de Call of Duty Ghost. Avec trois cosmonautes. Hop, on va regarder derrière. Donc on voit les accessoires exclusifs. Hein. Donc trois armes, un ordinateur, trois gilets, trois sacs à dos de l'espace, plus des petits bracelets. Ah non, c'est ce qu'ils ont sur le torse, ça. Des trucs d'oxygène, ça. Ouais. Donc, et puis quelques images cinématiques. Et puis voilà. Bon, on passe à l'ouverture. Je confie à mon collègue. Vas-y, à toi. Bon, bah, c'est parti. Du 695 pièces. Hein, donc ça va être. Ça va être long, ouais. Ça va être long, ouais. Enfin, pour vous, ça sera pas très long parce que ça va accélérer, mais. Pour nous, ça va l'être. Pas surtout pour lui. Un gros morceau pour le tank. Bon sachet. C'est une économie sur les échelles. Si, c'est vrai, l'économie. C'est deux pièces peintes, ça. 7. Pour ça, les persos. 8. Pièces d'hiver. 9. Et 10. 10 sachets. 10 sachets. Donc, on retrouve le fameux livret. Je vais mettre ça, vas-y. Livret de Loadin. Donc nombre d'étapes, ça il doit y en avoir plusieurs différentes, donc ça sert à rien. Perso, nomenclature comme d'hab. Et ça se présente en combien d'étapes, ça? 43 étapes. Bon, à moins qu'il y ait d'autres étapes intermédiaires. Bah, non, ça n'a pas l'air. Non, c'est... Non, 43 étapes. 43 et ça doit ressembler donc à ça, normalement. Voilà, donc on passe tout de suite au montage et puis bon, on se retrouve juste après pour notre avis. A tout de suite. We'll be right back.
Voilà, donc montage terminé. Donc alors, tu... Ton avis alors? Ah bah mon avis, plutôt pas mal, hein. Plutôt positif. Hein. Mais bête, hein. Ouais, c'est super beau à voir. Super beau à voir. Bon, il y a du montage. Il y a pas mal de montage. Hein. Bon, encore, ça a été, hein. C'est bon, il ouais. Y a... C'est pas mal de petites pièces, tout ça, enfin, surtout au niveau des... Comment placer un peu appeler ça là, c'est lance-missile en fait hein. Ouais. Je crois que c'est des missiles hein, donc ça s'ouvre hein, tiens fais voir comment ça s'ouvre. Donc là voilà, ça se présente comme ça. Donc pour les 4 hein. Ouais donc c'est les 4 pareil. Voilà. C'est pas mal détaillé. Hein. Donc il y a ça puis. Bien sûr, l'hélice derrière qui tourne. Les panneaux solaires, voilà. Donc, les petits personnages aussi avec les petites tiges. Voilà, c'est plutôt pas mal aussi, quoi. Parce que bon, c'est vrai que c'est censé être dans l'espace, donc. Puis pour le faire tenir. Oui, puis ça reste assez fin, puis ça a l'air de tenir quand même pas trop mal, hein, les petites tiges. Parce qu'ils sont assez grandes, hein. Je veux dire, par rapport à ma main. Donc ouais, une belle pièce en hauteur ouais, qui fait un bon ouais. Là en haut peut-être 40 cm hein. Peut-être bien ouais. Pas loin hein. Ouais. Maintenant très très belle pièce, très bien fini moi je trouve. Ouais c'est pas bien, c'est bien fini ouais. C'est pas bien fini ouais. Non c'est c'est la fatigue. Là, c'est la fatigue ouais. Ouais, il y a eu pas mal de montage et c'est non franchement excellent. C'est si vous êtes fan de la licence celui-là il faut l'avoir hein, parce qu'il est vraiment très très beau. Même moi qui fais que les zombies, je pense que celui-là si quand je vais le trouver en magasin, je vais me laisser tenter aussi parce que franchement il est excellent. Niveau gabarit tout ça, très très belle pièce là. Gros coup de cœur pour celui-là. Pour moi c'est l'un des plus beaux que j'ai. Ouais. Ah bah pour moi aussi c'est le numéro 1. Gros coup de cœur pour celui-là. Franchement. Il est numéro 1 aussi. Ouais. Donc voilà, t'as autre chose à rajouter? Non, rien d'autre. Tu l'as payé pas combien? On l'a acheté, si on l'a dit. Moi, je l'ai acheté 37 euros. 37 euros. 37 euros. Sur ces discounts. Voilà. Donc, bon, là, il a un peu augmenté, donc c'est. Après, en magasin, je sais pas si on le trouvera. Peut-être après, ça va peut-être venir, quoi. Pour le temps que ça vienne. Mais pour l'instant, c'est pas. Enfin, je l'ai pas vu en magasin. Non, en magasin, il n'y a pas pour le moment. Donc après. Espérons que ça sorte en magasin. Puis à voir aussi à quel prix, hein. Mais bon, 100% recommandé quoi. Ouais, ouais si vous avez un Call of acheté, celui-là, l'Odin, franchement, très belle réussite. Sur ce, rien d'autre à rajouter, c'est bon? Rien d'autre. Voilà. Donc, bon, en tout cas, on vous remercie de nous avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner, si vous ne l'êtes pas. Et puis, bon, on vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, bon, on vous dit à la prochaine pour une prochaine review. Salut! Allez, salut!